Voilà, il y a un abyss à Komi, Fachi Béton, Fumadi Tunga, Aye, Namakani en color. Voilà, Fumadi Tunga, Fachi Béton. Il est là. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, on va moins utiliser nos téléphones et pas carrément utiliser nos téléphones, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Je disais, j'ai connu Pasteur Jacques comme une sorte. Et moi, directement, je suis revenu et je suis allé au groupe de prière de l'enfant de Jacques. Et c'est là où j'ai trouvé Jacques. Je crois en 83 ans qu'il avait 14 ans. Il était tout jeune. Il jouait à la tam-tam et il était modérateur, il était vraiment le témoin de ma conversion. Il était déjà une longueur d'avance avant moi et il a assisté à toutes les choses qu'on peut faire, les délivrances, les effusions de Saint-Esprit, je vois son oncle Bonnie qui m'a baptisé. C'était vraiment devenu une famille pour moi. Et j'ai vu comment il a évolué. Et quand il s'est marié, il est parti au Canada, il s'est marié avec Annie. Annie aussi j'ai connu ici. Et quand sa mère est morte, elle était vraiment ma maman spirituelle. Elle m'a assisté en beaucoup de choses avec tous les combats que j'avais. Vous saviez que vous avez entendu le témoignage de Papa Sanko. C'était une femme qui avait vraiment des dons de prophétie inimaginables. Ma sorcière est là. Alors, elle a beaucoup joué dans mon couple parce que souvent, j'étais fâchée, j'étais partie dans ma famille, c'était la fois-ci. Et à chaque fois, Jacques, les oncles et tous se jouaient ce rôle-là de me conseiller, de me calmer. Et ils ont vu comment j'ai grandi. Et puis quand il est parti, il me dira, je crois que tu as raison. Je dois rentrer parce que ma mission est terminée au Canada, je dois rentrer. Mais je peux me suivre. Mais il avait vraiment le ministère d'esprit de dire aujourd'hui que c'est un homme de Dieu. Merci maman. Amen. Décidément, on va nous faire parcourir le 40 années de carrière, tout ce qu'il avait pendant 40 ans. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci à Monsieur le Président de nous avoir honoré ce soir à votre présence. Merci Maman Patrick. Pour la petite histoire, François Patrick Claude, merci d'être venu. Moi-même, m'a amené au Seigneur trop jeune et resté à l'ombre. Il disait avec sourire et je savais comment il passait son message. Il dit, tu dois rester dans l'ombre, quand mon goût aura fini de nous exterminer tous, au moins toi tu peux continuer avec le combat, parce que tu as... Yes.
lion qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a vaincu comme un simple homme alors qu'il était Dieu. Voilà d'où me vient la leçon de ma simplicité. Je crois à l'efficacité dans la simplicité. Le prochain chant, c'est aussi une expression de mon cœur. Dans le temps, 40 ans, il n'y aurait pas eu seulement des moments de joie, mais il y a eu aussi des moments de pleurs. Et un matin, le Seigneur me dit, voici le jour. Saisis ce jour. Alors je me suis mis à la guitare, j'ai commencé à chanter. Les paroles sont venues, j'ai écrit ce chant.